Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau d'Urgence Direct Info où j'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de notre tribune innovation nos partenaires de la société Nomadique et je reçois d'une part le professeur Olivier Mimouz qui va nous parler donc de comment cette solution informatique est en fait un lien direct avec le préhospitalier et l'hospitalier. Et je reçois Henri Delélis-Fagnin, qui est donc un collègue au SAMU de Poitiers. Alors, parlez-nous de cette solution Nomadique. Peut-être toi en premier, Henri. Bien sûr, merci pour cette invitation. Donc, cette solution de Nomadique, on revient cette année pour avoir un retour d'expérience un petit peu sur tout ce qui se passe avec ce projet qui est effectivement très intéressant pour le préhospitalier. Il faut savoir que le bénéfice réel et la véritable révolution dans ce travail qui est en place avec cette équipe de Nomadique, c'est la place centrale du SAMU Centre 15 dans la gestion du préhospitalier. Et quand je parle dans le préhospitalier, c'est vraiment une échelle large, puisque ça concerne tous les effecteurs qui sont amenés à solliciter le Centre 15. Pour ceux qui ne connaisseraient pas Nomadique, vous êtes une plateforme qui est à la fois photo, vidéo, et qui s'adresse aussi bien aux gens qui sont en préhospitalier, c'est-à-dire aux secouristes. Je crois que vous êtes installé dans des EHPAD. Alors, fais-nous une description rapide peut-être de cette solution, de cette plateforme. Alors, je fais pas partie de l'équipe de Nomadique. Hein. Je suis responsable médical du SAMU de 86, mais je fais pas partie de l'équipe Nomadique. Je suis par contre un heureux bénéficiaire du projet. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, les EHPAD, tous les effecteurs de soins, le projet a commencé avec les ambulances, où ils disposaient effectivement d'une solution mobile qui permet en temps réel de transmettre un certain nombre d'informations aux médecins régulateurs Centre 15. Premier bilan, première amélioration de la décision grâce à ces outils-là. Et puis en fait, la grosse différence et l'intérêt du dispositif, c'est l'élargissement de la plateforme avec une extension aujourd'hui vers d'autres effecteurs que sont les médecins correspondants SAMU, bientôt nos SMUR qui vont avoir une version purement médicale, des centres de loisirs, des EHPAD, tout le projet s'étend, s'élargit avec toujours le pivot dans la décision et dans le rôle central, c'est le SAMU Centre 15 et pour nous c'est un dispositif qui maintenant est fiable puisqu'on est à pas loin de quasiment 3000 bilans télétransmis depuis 2 ans, donc on a un certain retour d'expérience, tous les médecins sont bien familiarisés avec le dispositif, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ce dispositif et en quoi ça va être utile pour le patient. J'ai cru comprendre que, par exemple, dans les EHPAD, c'est du personnel soignant qui a été formé spécifiquement par les équipes de Nomadique. Ça vous permet, vous, au niveau du Centre 15, d'avoir des informations un petit peu normalisées, un dossier médical? Tout à fait. L'intérêt du dispositif dans les EHPAD, il y a un grand sujet qui est de l'optimisation du recours à l'urgence, à l'hôpital, au centre hospitalier. Effectivement, tout un travail qui va être fait sur notre initiative, j'espère l'année prochaine, sur le nombre d'hospitalisations évitées grâce à ce genre de dispositif. Il sert à quoi ce dispositif? Il sert à avoir un regard instantané de la situation, mais il nous envoie aussi des éléments qui sont chronophages pour le médecin régulateur à recueillir comme information. Je prends pour exemple une liste d'antécédents, de traitements, ce qu'on appelle le DLU, le dossier de liaison urgence, qui lui remonte automatiquement sous les yeux du régulateur et permet ainsi en fait de gagner du temps et de l'efficacité dans la régulation, puisqu'on le médecin va parler uniquement de ce qui l'intéresse pour prendre sa décision. D'accord. Je me tourne vers Olivier Mimouz. Comment un chef de pôle voit ce type de solution arriver dans son service? Parce que ça veut dire changer les procédures, les protocoles, il faut bouleverser beaucoup de choses. Comment se fait la mise en œuvre? Alors, bien évidemment, bon, comme toujours, vous savez que chaque fois qu'on fait un changement, il faut convaincre tout le monde, et en particulier ceux qui vont l'utiliser. En pratique, quand même, je dirais que cet outil apporte tellement un bénéfice aux médecins régulateurs, en termes aussi bien de quantité d'informations, mais aussi de leur validité, et puis aussi de leur traçabilité, puisque c'est quelque chose qui, finalement, donne une trace écrite, qui va être ensuite intégrée directement dans le dossier patient, et donc, on va avoir pour la première fois, finalement, des données préhospitalières, qu'elles soient
partir donc de différents effecteurs, hein, ambulances, SMUR, etc., des données qui vont être intégrées dans le dossier patient et donc qui vont pouvoir être consultées par tout le monde et qui vont rester avec le dossier malade, quel que soit, je dirais, quel que soit l'avenir du dossier, ce qui est quand même quelque chose d'important. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces données qui sont pourtant importantes disparaissent. Donc c'est des données qui apportent beaucoup de choses et en pratique, on se rend compte que très vite, les équipes s'approprient cet outil, hein, puisqu'il est facilement accessible. Il suffit de s'équiper, je dirais, d'écrans informatiques qui permettent d'avoir plusieurs informations. Car là, on va rajouter plusieurs nouvelles informations. Mais une fois équipées, finalement, ces informations sont tellement utiles que finalement, les équipes les approprient très rapidement. Manifestement, la feuille SMUR qui se promène dans un dossier, elle va devenir beaucoup plus fiable puisque les informations qui ont été recueillies vont persister, rester dans c'est un dossier médical informatisé mis en place avant le gouvernement. Exactement. Alors, c'est vrai que ça va avoir plusieurs avantages. D'abord, on va avoir la performance, la pertinence des données qui vont être relevées parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on relève d'informations sous forme écrite, il y a des informations qui disparaissent parce que il y a des valeurs basses ou des valeurs hautes qu'on n'a pas eu le temps de noter, il y a des erreurs. Aujourd'hui, non seulement on va avoir une information qui sera plus performante, mais en plus qui sera effectivement écrite de façon informatique dans un dossier patient, donc qui sera disponible par tout le monde et qui effectivement rentrera bien dans la politique actuelle aujourd'hui du gouvernement d'avoir effectivement un dossier patient unique de forme informatique. Si j'ai bien compris, cette prise en charge préhospitalière se fait donc pratiquement naturellement, même dans des structures qui ne sont pas forcément habituées à la prise en charge de l'urgence. C'est-à-dire dans un EHPAD, par exemple, ça vous permet d'avoir un échange avec les soignants sur place pour éviter justement les transports ou les pertes de temps. Le dispositif est vraiment adapté en fonction de l'effecteur. Mmh. Voilà, la personne qui aura ce dispositif pourra faire remonter un certain nombre d'informations qui seront adaptées à son niveau de compétence. Mm-hmm. L'information est également adaptée au personnel pour avoir les informations. Mais vous savez, il ne suffit de pas grand-chose pour avoir une décision qui sera différente. Si on prend l'exemple des plaies ou à partir de quel moment une suture doit avoir lieu sur un centre hospitalier, à partir de quel moment on doit orienter un patient vers un centre hospitalier de recours, on a des outils, les photos, les vidéos, qui nous permettent comme ça vraiment de flécher et de bien préciser le lieu de destination du patient. Comment ça a changé le fonctionnement des services où Nomadic a été mis en place ? Alors, il y a les services, vous voulez dire, au sein même de l'hôpital ? De l'hôpital ou des différents effecteurs ? Voilà, alors les différents effecteurs se sont appropriés l'outil à force de travailler avec sur le terrain. On est maintenant sur une version tout à fait optimisée, performante. Je pense que tous nos effecteurs pourront le reconnaître aujourd'hui. Et puis, la couverture des réseaux et l'amélioration et la volonté du gouvernement aussi en termes d'innovation et de couverture du territoire nous aide beaucoup aussi pour améliorer la qualité de transmission de bilan. Donc on est sur un système qui est complètement opérationnel. Les erreurs se comptent à la marge et c'est un impact fort pour le patient, surtout dans le contexte d'inégalité de territoire et de prise en charge qui doit être optimisée pour tous. C'est vrai que c'est une solution qui est surtout déployée au niveau rural, qu'on connaît un petit peu moins en région parisienne. Alors je me tourne vers le chef de pôle que tu es. Cette solution, tu en fais la promotion au niveau local. Je crois que ça va se déployer aussi à Lille, avec les collègues, avec Goldstein. Je sais qu'effectivement qu'on a plusieurs collègues qui sont intéressés par cette solution parce que plus vous avez un territoire qui est étendu, plus vous avez des zones où l'accès aux soins est compliqué, plus il y a donc effectivement un risque d'inégalité, plus cette solution, je dirais, va apporter un bénéfice, ça c'est clair. Donc, alors je ne connais pas effectivement tout le déploiement de cette solution au niveau national, mais en tout cas, il y a effectivement, c'est un outil qu'un certain nombre de personnes nous ont interrogé pour en connaître les performances et qui souhaitent effectivement l'implémenter dans leur structure. Tu as eu le soutien de l'ARS localement, tu as eu le soutien de structures gouvernementales et...
Alors, il y a clairement une volonté, puisqu'on sait que la télémédecine fait partie des axes prioritaires dans le domaine de la santé. Il y a eu aussi, je trouve, une très très bonne réponse des acteurs eux-mêmes, oui. Hein, puisqu'on a vu, on a vu par exemple chez nous les ambulances privées qui se sont spontanément équipées. Ce sont eux qui ont fait les investissements financiers, par exemple, et on a vu très très vite que le phénomène a fait tache d'huile et qu'aujourd'hui on a une couverture départementale qui est quasi parfaite, mais on voit aussi d'autres effecteurs comme effectivement les centres de loisirs qui s'équipent aussi. Donc on voit bien que finalement cette solution qui répond bien à la demande simplifie finalement, la vie. Voilà, simplifie la vie et finalement tout le monde y va finalement sans qu'il y ait toujours cette obligation d'avoir un soutien financier. J'ai cru comprendre qu'il y avait une vingtaine de départements qui étaient actuellement équipés, ce qui fait que ça commence à devenir quelque chose de véritablement important. Juste pour terminer cette interview, vous diriez que ça va devenir une solution que le gouvernement va pouvoir mettre en place dans des territoires, même des territoires reculés, difficiles d'accès ? C'est difficile de se positionner sur une décision du gouvernement. Disons que c'est une remontée du terrain qui est forte et qui a un sens. Et si on se projette effectivement sur l'avenir, on sait tous que nous, en tant que responsables SAMU, on soutient très fortement le déploiement du prochain SI SAMU, hein, le système d'information de régulation nationale. Et effectivement, on aura dans l'espoir que toutes ces technologies innovantes continue et contribue toujours en lien direct avec ce logiciel de régulation nationale. Est-ce que vous avez des problèmes avec les zones blanches en termes de couverture 4G ? Alors c'est ce que j'exprimais très rapidement tout à l'heure. Les choses s'améliorent très nettement. On a vraiment des difficultés à la marge de transmission de bilan sur une faute de couverture réseau. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, il faut savoir aussi que de temps en temps, ça peut arriver. Mais quand l'effecteur se déplace et qu'il revient dans une zone qui est effectivement couverte, ben, l'information part directement. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a un petit peu posé problème au tout début, qui semble s'estomper avec le temps. Donc, et a priori, là aussi, on a entendu dire qu'il y avait de gros efforts au niveau national pour régler ce problème. Donc, a priori, j'espère que ça n'en sera plus dans le futur. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Je remercie Olivier Mimoz et Henri d'être venus nous parler de cette solution et de ce nouveau produit, cette nouvelle plateforme. Merci beaucoup à vous et bon congrès. Merci. À bientôt. Au revoir.